Pour 2022, Jeep nous offre une nouvelle version du Grand Cherokee, le Grand Cherokee L, qui est une version allongée du Grand Cherokee. Alors, c'est la cinquième génération, tout nouveau pour 2022. Un modèle qui a été complètement redessiné de A à Z. C'est la première fois qu'on va offrir le Grand Cherokee avec une possibilité de 7 passagers. Ce Grand Cherokee est construit sur une nouvelle plateforme. Il est 7 pouces plus long que le Grand Cherokee actuel 2021 et 2 pouces plus long que le Dodge Durango. Sous le capot, on retrouve un V6 de 3.6 litres de 293 chevaux et 260 livres-pieds de couple. Ce moteur est jumelé à une transmission 8 vitesses. Aussi, on peut avoir un moteur optionnel, un V8 de 5.7 litres Hemi, bon pour 357 chevaux et 390 livres-pieds de couple. Encore une fois, jumelé à une transmission 8 vitesses. Aujourd'hui, on conduit la version V6. On va voir si c'est suffisant pour déplacer tout le poids de cette version allongé du Grand Cherokee. Maintenant, on va tester l'accélération. Bon, on a le V6 sous le capot, on va voir si c'est suffisant pour le gabarit du véhicule, quand même un gros véhicule. Et voilà. Bon, okay. C'est normal. C'est normal comme chiffre, je pourrais dire comme temps. C'est quoi sur papier? Sur papier, on peut le faire avec le V6 en environ 7,5 secondes. C'est beaucoup plus lent qu'avec le V8, mais on s'en attendait, là. V8, c'est combien environ, Eve? C'est 6,2 secondes. Bon, regardez, c'est sûr, certains, vous êtes plus fervent de la performance. Le V8 va vous en offrir beaucoup plus. C'est une grosse séance, plus qu'une seconde. 0-100, mais avec le V6, c'est comparable à la compétition pour le même genre de gabarit de VUS. Bon, sur la route, là, la première chose qu'on peut remarquer à l'intérieur du Grand Cherokee L, c'est très confortable, on a une suspension à l'air, ça rajoute un gros plus pour le confort. Oui, puis si on regarde du côté de la tenue de route, encore une fois, on voit que Jeep a axé vraiment plus sur le hors-route qu'une tenue de route vraiment sportive. Ouais, c'est sûr et certain, quand on le pousse dans la courbe, on sent que le véhicule, il ballotte un peu plus. On est sur des coussins d'air, mais je pourrais dire conduite tous les jours. On voit que la suspension est dépendante à l'avant et à l'arrière. Avec le système Quadralift Adaptive Damping qu'il appelle, fait beaucoup un gros plus. Mm-hmm. Surtout là, on est l'hiver. Regardez, les routes sont pas belles. Il y a des gros nids de poules, des choses-là. Très confortable. La semaine passée, on était dans un véhicule en compétition contre le Grand Cherokee L, le Infiniti QX60. On va se dire, c'est le jour et la nuit, oui, entre ces deux produits-là. On est comme sur un nuage dans le Grand Cherokee. Oui, vraiment. Pour 2022, le Grand Cherokee a été complètement redessiné. On l'a vraiment modernisé, mais c'est quand même très facile à reconnaître. On le voit que c'est un Grand Cherokee L quand on est sur le chemin. On a la grille iconique Jeep à l'avant. On a les deux tons, donc le toit d'une autre couleur. Je trouve ça très beau. Une chose que j'ai remarqué cette semaine, les sorties d'échappement à l'arrière, je dirais qu'elles sont un peu mal finies. Là. C'est vraiment un gros trou. Mais on voit dedans un peu le tuyau qui sort, là. On le voit vraiment à l'œil, là, que c'est un rajout. Là, pis... Ouais, je sais pas pourquoi ils coupent tout le temps là-dessus à cette heure. Là. Camion très beau en général, comme tu précises. Le deux tons fait un petit peu style Wagoneer. Mm-hmm. Ça remonte le luxe. Un peu comme pour le Grand Wagoneer, pour la version américaine, on retrouve des drapeaux américains. Pour le Canada, on n'a juste aucun drapeau sur le véhicule. Ouais, c'est des petits détails pour le Canada qu'on a remarqués. Mais en général, moi, je trouve que c'est un véhicule très bien réussi, oui, même si on a la version allongée. Des fois, quand on fait une version allongée, on défait un petit peu les lignes du véhicule. Oui. Mais c'est pas le cas pour le Grand Cherokee L. Pour l'intérieur, on retrouve beaucoup de matériel de qualité. On a du cuir, on a des finitions, des touches de bois, on a du noir gloss. On a la dernière génération de Uconnect avec l'écran de 10 pouces. C'est tout très beau, quand même fini très luxueux à l'intérieur. Je trouve que l'écran est très bien intégré avec, oui, les pitons au-dessus puis la climatisation en dessous. Je trouve ça très beau. Puis on va se le dire, là,
On a conduit le Grand Wagoneer il n'y a pas longtemps. Le Grand Wagoneer pour 130 000, part à 110 000. Ouais. On se querrait presque dans le Grand Wagoneer. Oui. C'est très similaire en dedans. On a un peu... On a le feeling. Le volant est similaire. Les finitions, les lignes dans le véhicule, plus carré et tout. Là, je trouve que c'est un gros plus pour le Grand Cherokee. Là, que oui. Vraiment, il y a l'intérieur presque identique à un véhicule en haut de 100 000 $ Oui. Le bouton, l'espèce de changement de vitesse. C'est la même chose, fini métallique aussi. Similaire au Grand Wagoneer, très beau. On a une place pour charger notre téléphone sans fil qu'on peut littéralement fermer avec plusieurs branchements pour notre téléphone. Mm-hmm. On a Android Auto, Apple CarPlay, sans fil, tout ça. Regardez à l'intérieur, là, en plus, on a des sièges très confortables. Oui, puis les sièges offrent des massages aussi. On peut tout contrôler. Puis ça, on peut contrôler, c'est important de le dire, autant avec les boutons tactiles que des vrais boutons. Fait que vous ayez un ou l'autre, vous allez être servi dans le véhicule. On a des très bonnes caméras de haute qualité. Oui. On a même une espèce de windshield washer pour les caméras, tout dépendant des options qu'on a sur le véhicule. On retrouve aussi la fam cam dans le véhicule, donc on peut voir les enfants à l'arrière partout dans l'écran. Très pratique pour faire la surveillance des bébés ou des enfants tannants. Et pour 2022, on retrouve le système de son Macintosh dans le Grand Cherokee L. Fait que la même marque, encore une fois, qu'on retrouve dans le Grand Wagoneer, un petit peu moins d'haut-parleurs dans celui-là. Un système de son qui fait très bien la job. Oui. Dans la deuxième rangée, on peut accueillir au total dans le véhicule entre 6 à 7 passagers. Bon, il y a deux configurations. On peut avoir soit les sièges capitaine dans la deuxième rangée avec une console ou comme la configuration qu'on a cette semaine avec la banquette. Là, on peut rentrer 3 dans la deuxième rangée. Oui. Là, on retrouve plus de place dans la deuxième rangée à l'arrière que dans le Durango. On a des bancs chauffants aussi, donc quand même très luxueux. On a les bancs climatisés aussi. On a les contrôles de climatisation individuelle aussi. Donc, c'est beaucoup de luxe. Oui. C'est beaucoup de luxe pour un véhicule dans cette gamme-là. Je rappelle, on n'est pas à l'intérieur d'un Mercedes, d'un BMW. C'est non. Des trucs qu'on retrouve dans cette gamme de véhicules-là. On voit que Jeep vient vraiment compétitionner contre des marques de luxe. Deuxième rangée, j'étais surpris parce qu'au début, quand j'ai vu le Grand Cherokee L, pour ma part, je pensais que c'était une espèce de Durango. Mais c'est une nouvelle plateforme, mm-hmm. Puis on le voit à l'intérieur, c'est mieux fait, beaucoup plus d'espace. Moi, je trouve qu'un des gros défauts du Durango, c'était l'espace dans la deuxième rangée. Ouais. Moi, je suis grand, les enfants n'ont pas vraiment capable de rentrer en arrière de moi. Mais là, dans le Grand Cherokee L, c'est pas le cas. Non, ça rentre en masse. Pour ce qui est de la troisième rangée, on a un accès facile. C'est facile de s'y rendre. Un adulte peut aisément s'y asseoir. Donc, comme tu disais, on a gagné beaucoup d'espace. On a les porte-gobelets. Donc, même si on est assis à la troisième rangée, c'est pas un peu la rangée des punitions. C'est vraiment une troisième rangée utilisable pour des adultes. Ouais, dans ce segment-là, encore une fois, des fois, la troisième rangée, c'est vraiment pour dépanner les enfants. Là, les enfants rentrent facilement. Un adulte pour un petit parcours, je pourrais dire. C'est sûr que quelqu'un comme moi, je rentre pas vraiment là, tu sais. C'est sûr et certain que, habituellement, quand on mesure 6 pieds 3, 300 livres, on s'en va pas dans la troisième rangée, là. Mais c'est confortable, comme tu dis. Puis en plus, on a des bouches d'air, puis tout ça. Oui. On voit que de plus en plus, il s'améliore dans toutes les marques pour la troisième rangée, surtout chez Jeep. Pour ce qui est de l'espace dans la valise, on a un bon cargo utilisable quand la troisième rangée est levée. On retrouve aussi un petit coffret sous le tapis où on lève le tapis puis on a un bon rangement, un peu comme dans le Grand Wagoneer. Dans la valise, on peut baisser tous les bancs avec les boutons électriques. Par contre, pour relever la deuxième rangée, il faut venir ouvrir la porte et la relever manuellement. On ne peut pas la relever électroniquement de la valise. Ouais, encore une fois, là, pour comparer avec le véhicule qu'on avait la semaine passée, on avait un véhicule dans la même gamme de prix. Puis, les sièges n'étaient même pas électriques dans la dernière rangée. On ne pouvait même pas les baisser puis les remonter. Fait que je pense que de plus en plus, ça s'en vient standard dans ces véhicules-là, quand on a un véhicule quand même bien équipé, d'avoir ces fonctions-là. Bon, comme tout bon véhicule de luxe de nos jours ou véhicule qui se garde de faire du hors-route, on a plusieurs modes de conduite. Puis, dans le Jeep Grand Cherokee, on a auto, sport, neige, on a sable et boue et roche.
De ce côté-là, moi, je trouve qu'il manque un ou deux modes, à mon avis, à moi. Il manque littéralement un mode remorquage, puis il manque un mode deux roues motrices. Mais c'est un Jeep, il est toujours en quatre roues motrices. C'est comme ça, les Jeeps. On a bien sûr aussi un 4x4 low parce que c'était un vrai 4x4. C'est fait pour faire du hors-route. Fait que c'est pas seulement un système intégral, c'est un vrai 4x4. En plus de pouvoir changer nos modes de conduite, on peut aussi changer la hauteur de la suspension. Alors, quand on est en mode hors-route, il y a deux modes hors-route jusqu'à une certaine vitesse. Ils appellent ça off-road 1, off-road 2. Le véhicule peut monter de beaucoup. Même là, cette semaine, quand on filmait, Eve était choquée avec moi parce qu'à chaque fois qu'elle rentrait dans le véhicule, je faisais exprès pour monter le véhicule pour qu'elle ait la difficulté à monter dans le véhicule. J'étais pas choquée, mais le véhicule monte assez haut pour que ça fasse une bonne différence. Au début, j'embarquais dedans, puis là, moi, je l'avais pas remarqué. Là, j'étais avec toutes les caméras à l'extérieur. Lui, il monte le véhicule. J'étais comme, je suis plus capable d'embarquer. Puis là, j'essayais de me pogner après la barre de la chicken bar qu'on appelait quand j'étais petite. Là. Mais en tout cas, il monte assez haut. C'est quand même impressionnant. Sur l'autoroute, le véhicule va se rabaisser pour être plus aérodynamique. Aussi, on peut le mettre en mode débarcadère pour faciliter l'entrée et la sortie du véhicule. Je trouve que c'est un gros plus. Puis cette semaine, je l'ai utilisé aussi la suspension quand j'étais allé à Montréal. C'est rare, je vais à Montréal. J'ai été obligé d'aller dans une espèce de parking souterrain. Puis j'ai fait sûr que la suspension était au niveau le plus bas que je pouvais le mettre en roulant. Comme ça, je pouvais m'assurer que le véhicule rentrait dans le stationnement souterrain. Puis ça, c'est un gros plus quand on a un véhicule en route, parce que habituellement, quand on a des véhicules comme que j'avais auparavant, mettons mon Sierra T4, qui était lifté de 2 pouces et demi, mais dans le parking où j'étais allé me stationner, j'aurais pas été capable de rentrer. Non. Là, on a le meilleur des deux mondes. On peut le stationner dans un stationnement souterrain, mais on peut aussi passer par-dessus une grosse branche de bois d'entraide en montant la suspension. Je trouve ça fantastique. Du côté du remorquage, avec le V6, on peut remorquer jusqu'à 6200 livres quand même. Et avec le moteur V8, 7200 livres, donc 1000 livres de plus avec le V8. De ce côté-là, il domine carrément. C'est parmi les leaders dans le segment. Même avec le V6, habituellement, la grosseur de ces véhicules-là sont topés à 5000 livres. Là, on voit qu'ils repoussent un peu de plus en plus dans les 6000. 6200 livres, je trouve ça beaucoup pour le V6. Je pense qu'il y en aurait un petit peu plein son casque là, d'avoir un 6200 livres en arrière, là, en plus d'amener tout le poids du véhicule. Je pense que si vous voulez remorquer, le V8, c'est un bon choix. Puis sans faire un méga sacrifice sur les performances quand on remorque. Puis aussi, côté économie d'essence, je suis sûr et certain, le V8, quand on remorque, il est plus économique que le V6. Mm-hmm. En parlant d'économie d'essence, cette semaine, avec le moteur V6, on a fait environ du 15 litres au 100 km. Ça, c'est route et autoroute combinées. Avec le moteur V8, on peut faire environ du 14 litres au 100 km. Donc, plus économique le V8. Bon, il y a deux défauts. Regardez, moi, je pense que le V6, il est fait plus pour la ville. Il n'y a pas assez de power pour amener le véhicule. Mm-hmm. Quand on monte les côtes, je le vois qu'il se tient haut en révolution. Je vois que des fois, il y a de la misère à performer. Il est bruyant aussi. On voit que le moteur, il travaille fort pour amener le véhicule. Il est lourd. Et de ce côté-là, les chiffres V8 que j'ai vus, c'est des chiffres que j'ai vus en ligne. C'est similaire à nos chiffres, 14, 15, peut-être la même chose en hiver. Le 14 litres, c'était un peu en condition au sud des États-Unis. Là. Mais le défaut des Jeeps, c'est qu'ils consomment. Regardez, 15 litres pour ce gabarit-là, c'est pas bon, on va se le dire. Là. C'est pas horrible, mais c'est pas bon. Je pense que si vous faites beaucoup d'autoroutes, le V8 va être plus économique sur la long run, je pourrais dire. Un des défauts des Jeeps, mais c'est qu'est-ce qui fait Jeep, c'est qu'on peut pas le mettre en deux roues motrices. Peut-être si on serait capable de le mettre en deux roues motrices, comme n'importe quel autre véhicule normal, je pense qu'il serait capable de descendre peut-être de 1 ou 2 litres. Mais une bonne nouvelle d'un autre côté, Jeep vont offrir un modèle Grand Cherokee L, 4XE, alors hybride branchable. On va être capable de faire environ 50 km sur la batterie en mode électrique. Fait que de ce côté-là, je pense qu'on va être capable de descendre en moyenne, je pourrais dire, tout en demandant comment on utilise notre énergie, tout ça, puis comment notre fréquence qu'on recharge.
mais on l'a vu avec le Jeep Wrangler 4XE. On était capable de descendre dans le 9-10 litres. Puis, il consomme. Le moteur consommait toujours autant qu'un Grand Cherokee à cause que le différentiel était plus gros, les roues étaient plus gros. Fait que si on se fie à ça, on peut tomber dans du 10 litres au 100. De ce côté-là, c'est intéressant pour avoir un Jeep Grand Cherokee plus économique. Du côté des prix, on peut entrer dans un modèle Grand Cherokee L à partir de 52 495 $ et le modèle qu'on a à l'essai cette semaine est de 80 665 $. Bon, on a un milieu à peu près en milieu haut de gamme, là. C'est un modèle Overland. C'est certain que le modèle qu'on a aujourd'hui, à mon avis, à moi, est un petit peu mal monté. Là, il y a trop d'équipement puis il manque le V8 dedans. Je pense que côté équipement, on est capable de faire des sacrifices puis on peut peut-être opter pour le V8. Je pense que le V8 vaut la peine. C'est une option qui coûte 3 745 $. On a plus de capacité de remorquage. On a sûrement une meilleure économie d'essence, plus de performance, etc., etc. Fait que moi, je choisirais le V8. Puis on pourrait tomber peut-être dans les mêmes prix si on sacrifie un petit peu dans les options. Oui, c'est dispendieux. Je pense que quand on va avec un modèle plus de base, c'est plus intéressant. Mais quand on veut mettre de l'équipement dedans, ben ça peut aller vraiment hors de contrôle, là. Un Summit Reserve, qu'appelle ça, c'est le modèle le plus équipé, part à 67 990 $. Fait qu'avec l'équipement, je pense qu'on peut topper le 90 000, ces choses-là. Fait que on voit que, encore une fois, chez Jeep, on a une approche de luxe extrême. Pour conclure, je trouve vraiment que le Grand Cherokee L est quand même très luxueux. Il me rappelle beaucoup le Grand Wagoneer pour beaucoup moins cher. Aussi, j'irais peut-être plus, comme tu as mentionné tout à l'heure, avec le moteur V8. Souvent, les gens pensent que parce qu'ils ont un plus petit moteur, ça va être plus économique, mais des fois, c'est l'inverse. Quand le moteur est trop petit pour le gabarit du véhicule, pour tirer ou pour emmener tout le monde, vous êtes mieux d'opter pour un moteur plus gros qui va moins forcer à la longue. Fait que moi, j'irais Grand Cherokee L avec un moteur V8. Oui, exact. Parce que si moindrement, on emmène plusieurs personnes dans le véhicule, beaucoup de bagages, on remorque. Regardez, cette semaine, on n'a pas fait des super chiffres, puis on était juste deux ou trois dans le véhicule. Bébé, ça compte pas vraiment pour beaucoup de poids, là. Si on est une famille au complet dans le véhicule, ça rajoute du poids. C'est toute une question de puissance versus poids. Puis de ce côté-là, tout à fait d'accord. Le V8, c'est vraiment le choix à faire. C'est pas une option qui est très dispendieuse. Mais on voit, pour conclure encore une fois, que Jeep s'attaque vraiment à un marché de plus en plus de luxe. Je pense que si on le compare vite à, mettons, un produit comme le Ford Explorer, qui est dans la même gamme, le Ford Explorer va compétitionner contre le Grand Cherokee L plus d'entrée de base. Puis avec les modèles Overland, Summit, Summit Reserve, on vient toucher à du Lincoln. Fait qu'ils font un peu une pierre deux coups chez Jeep. Place d'avoir un autre brand, une autre marque de luxe, ils mettent ça tout sous la marque Jeep, puis c'est très réussi. Moi, je trouve que là, ils font vraiment une grosse place. Puis, on va se dire, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui veulent avoir un Grand Cherokee à trois rangées. Ouais. Ceux qui ont eu pendant longtemps un 5 passagers puis que leur famille a grossi, là, ils peuvent rester dans la marque Jeep puis rester dans le Grand Cherokee sans s'en aller dans les produits dispendieux de Wagoneer et Grand Wagoneer. Un produit qui est très intéressant, puis je pense qu'il vient de tomber facilement dans le top 3 des meilleurs achats dans ce segment-là. Fait qu'on approuve le Jeep Grand Cherokee L. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Grand Cherokee L. Est-ce qu'il est vraiment dans votre top 3 des meilleurs VUS intermédiaires? On aimerait savoir votre avis. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Ça nous aide toujours beaucoup. Et on se retrouve dans un prochain Essai routier.